Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes petits plats de tous les jours. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais préparer aujourd'hui un moelleux au chocolat et son cœur fondant. Alors, pour cette recette, j'ai besoin donc de 4 œufs, voilà, 60 g de farine, 140 g de sucre en poudre, 70 g de beurre. Et 200 g de chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux. Alors tout d'abord, je vais aller allumer mon four et en même temps, je vais mettre le beurre et le chocolat noir que j'ai coupé en morceaux, donc à fondre au micro-ondes pendant 2 minutes. À tout de suite. Pendant ce temps-là, donc je vais venir mélanger le sucre en poudre et les 4 œufs. Et je mélange. Maintenant, je rajoute la farine et je continue de mélanger. Et ensuite, je vais rajouter donc le chocolat qui est fondu avec le beurre. Le chocolat et le beurre sont bien fondus. Je vais maintenant les mélanger à la première préparation. Voilà. Alors, c'est un moelleux au chocolat donc, qui va cuire au four 17 minutes, thermostat 6-7, température 200 degrés. Voilà, c'est bien mélangé. Alors, je vais le mettre à cuire dans ces petits moules. Alors, je ne les remplis pas en entier. Je les remplis aux trois quarts. Mes petits moules sont tous remplis. Je vais pouvoir maintenant les mettre à cuire, hein, au four, dans mon four qui est bien chaud. À tout à l'heure après la cuisson. Alors, à la fin de la cuisson, vous pouvez vérifier si le gâteau est cuit. Alors, il est cuit sur les bords et au milieu, il est coulant. Alors, vous pouvez accompagner ce moelleux au chocolat avec une crème anglaise. Ou alors avec une boule de glace à la vanille, c'est super bon. Et il faudra le laisser refroidir, mais quand même manger tiède. Voilà. Voilà, mes petits moelleux sont cuits, donc cuits sur les côtés et moelleux et fondants au cœur. Voilà. Ils sont tout beaux. Voilà. Ils sont très appétissants. Alors, je vous disais justement de les remplir que aux trois quarts. Et vous voyez, ils gonflent quand même, même s'il n'y a pas de levure. Voilà. Alors, si vous avez envie de tester la recette, n'hésitez surtout pas à le faire. Laissez-moi vos commentaires aussi, j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt!